par Real TV. Le réseau, c'est ce nom, mais l'interface sociale est télé-réalité. En effet, grâce à une caméra prenant la forme d'une lentille de contact, n'importe qui peut diffuser ce que ses yeux perçoivent sur Internet, et même à la télé. Sur chaque utilisateur, qu'on appelle désormais les networkers. Le voyeurisme, je sais pas. Donc pour toi, ça ne représente aucun danger. Un danger, avant c'était les jeux vidéo, maintenant ça va être ça. Vous savez, la télé-réalité, ça existe depuis longtemps. C'est juste que maintenant, chacun fait la sienne. C'est pas du voyeurisme. Y'a rien de malsain dans ce concept. C'est du partage culturel. Un partage, donc. Et c'est d'autant plus vrai pour ce jeune artiste de la télé-réalité qui fait chaque jour une formidable audience à la télé. Merci Brigitte pour cette investigation. Ah putain. Pas de sujet, allez, putain, j'avoue. Pas sur l'affiche, je veux voir le mec. Non, d'accord. Ouais, je fais chier. Bon, c'est qui le bon mec. Tu veux filmer? Ah. C'est qui? Partenaire du réseau. Je suis un networker. C'est moi, chérie. Envoie link au 6-10-36. Quoi? Suivi du numéro de son canal. Putain, mais non. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas vrai. Tu ne seras plus jamais ça. Oh non. Qu'est-ce qui se passe, Julie? Mais pourquoi? Envoie-lui un message, dis-moi. C'est un con, de toute façon. Je peux mettre un like, s'il te plaît? Non. Mais un like, c'est bon, quoi. Non, non, plus. Enfin, tu crois que je ressemble à quoi si je like ça, là? Déjà un putain de trisomique, tu me mets un like maintenant? Non, je vais pas liker. Oui. Je suis chez une amie là. Vous faites quoi? On regarde un film. Ah. Ok, je te laisse. À plus. De merde. Oui, je te bloque, j'en ai rien à faire. Vite. Merci de nous avoir accordé ton temps, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, ouais. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. C'est scandaleux, ces émissions. C'est débile. C'est la prostitution. Qu'ils nous prennent. Oui, allez, on change. Attends, je veux voir jusqu'où ils vont là. J'ai quelque chose pour toi. Voilà, le fermier. Selon la loi de C, lorsqu'un produit est proposé sur le marché, il crée une demande pour ce produit et pour d'autres produits. Oui, allô? Sur ton scénario. Ah. On va pas pouvoir faire ton film. Ah. Monsieur, oui. Ça donne quoi en pratique? Ton pull. Quand tu l'as acheté, est-ce que tu t'es demandé ce que tu pouvais acheter d'autre? Qui on m'a like? Non, c'est la pauvreté du village qui m'a like. Est-ce que tu t'es demandé si t'en avais vraiment besoin? Heureusement, je pouvais déjà sucer grâce à sa nouvelle formule. Mais, enfin, tu m'as dit que tout le monde avait aimé en fait. Ah ouais, il est super ton film. Mais ça rapporte rien du tout, tu ah sais. Ah oui, oui. Non, tu l'as acheté parce qu'il était là. Allez, salut. Ouais, salut. Et c'est comme ça que fonctionne le marché. Les gens veulent ce qu'on leur vend. Oh putain!
et rien d'autre. Oh putain! Respire. J'en laisse l'air. Jamais seul. Oh, ça va, mais bon. Les origines de la. On s'en fout. Ah, ah.